Dans les années 50, il y avait une série très populaire qui s'appelait Lassie et qui racontait les aventures d'un petit garçon et de son chien. Pour plusieurs épisodes qui mettaient en scène des militaires, l'armée a proposé toutes sortes de modifications. Il y a un épisode, par exemple, Timmy contre les Martiens, où le petit garçon pense avoir établi le contact avec des Martiens et dans lequel un avion s'écrase. Dans le scénario initial, des militaires arrivent sur les lieux du crash et récupèrent ce qui reste de l'appareil pour le soumettre à une série de tests en soufflerie. Ces tests leur permettent d'expliquer les hurlements de la scie à l'arrivée de l'appareil, des vibrations aiguës émises par les ailes dues à un défaut de conception. La scie sauvait ainsi la mise aux militaires, qui, grâce à ces hurlements, déterminaient l'origine du problème et prenaient les mesures nécessaires pour éviter que d'autres accidents ne se reproduisent. Mais quand ils ont demandé l'aide de l'armée, ils voulaient simplement des images d'archives d'un avion de reconnaissance militaire, on leur a répondu « Non, nous ne vous aiderons que si vous modifiez le scénario, si vous supprimez tout ce qui remet en cause le bon fonctionnement de l'appareil. » J'ai d'ailleurs les lettres adressées par l'armée aux producteurs. Après examen du scénario de Timmy contre les Martiens, nous n'avons pas d'objection à formuler, si ce n'est que nous ne saurions trop vous recommander de modifier les circonstances du crash aérien. Et c'est toute l'histoire qu'ils ont dû modifier. L'avion s'écrasait à cause de la glace qui s'était formée sur les ailes, ce que personne n'aurait pu prévoir. Et au lieu de leur sauver la mise, la scie se contentait des remerciements des militaires pour les avoir aidés à retrouver l'avion. Ils ne veulent pas que les enfants s'imaginent que l'armée puisse fabriquer du matériel défectueux, car les enfants sont la première cible des campagnes de recrutement. Ils veulent que les enfants aiment l'armée, qu'ils aiment les militaires et tout ce qui a trait à l'armée, pour qu'à l'âge adulte, ils décident de s'engager. Ces documents foisonnent d'exemples comme celui-ci, où l'armée s'efforce de recruter parmi les enfants d'aujourd'hui les soldats de demain. Et les enfants, et tous ceux qui voient ces films, ne se rendent pas compte que l'armée s'en sert comme de films publicitaires, d'instruments de propagande véhiculant un message subliminal. Tout ce que les enfants retiennent, c'est que l'armée, c'est bien, qu'elle vous offre une chance de bien démarrer dans la vie. You know, it's a good place to start.